mes chers papouas, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette deuxième session de dépaporisation. Bonjour, cher papouas. Ici votre président chouchou, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement à vie de la... De la Papouasie, el cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el excellentissimo, el talentoso, el peligroso, el capo di tutti capi. Voilà. Voilà, je suis là avec vous et c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour cette session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, votre émission préférée. Que serait la dépaporisation sans les membres influents de la Papouasie? Disons bonjour à madame la gouverneure de Gberé City, l'incontestable reine du Gberé. Bonjour. Et Karen Astaï. Bonjour. Et Karen Astaï. Bonjour. Oh, oh, oh. 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 Of Mary. Oh yeah. Ça va, Karina? Bonjour. Toute belle. Merci. Il y a quelqu'un qui disait de prendre toujours des poids, prendre le poids, soit à Poutchou et tu es plus belle. C'est qui? Le premier ministre. Quel premier ministre? De quel pays? Karina, ça va? Oui, ça va. Ça d'accord. Va, grâce à Dieu. D'accord. Tu as dormi chez toi hier? Toujours chez moi. D'accord. Ok. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le Bogolan. Bonjour Ozone. Hein? Bonjour Monsieur le Président, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? D'accord. Ouais, ouais, ça va. D'accord. Ça se voit pas? Je sais pas. Je sais pas. Quelle est la couleur ça en fait? J'ai juste demandé. C'est du bleu. Bleu c'est ciel. Quoi? C'est bleu. Bleu ciel. Mmh. Ouais. C'est pas de gris? Non. D'accord. C'est du bleu ciel. Et là, moi, je suis tout en serpentin. Tu n'as pas le choix. Est-ce que t'es un enfant? Hey, moi, c'est que... là, mes femmes, là-bas, j'aime bien. Est-ce que t'es un enfant? Bien. Ok, c'est un enfant. Alors, je souhaite joyeuses noces de cire. C'est pour mon frère, Opépi. Opépi, 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 Olivier. Bonne fête de... bon anniversaire de mariage. Ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans, noces de cire, oui. Donc que Dieu vous accorde marié, on dit noces de cire, la grâce hein, de fêter les noces de diamant, les noces d'eau. Vraiment, bisous à ta magnifique femme et puis embrasse tes enfants. Il sait qu'il y a un rembat, c'est que si on gérait ça le week-end. Donc bon anniversaire, champion. Et puis, je salue Michel Aoui, hein, de la part de Willy Animel. Et je salue toute la délégation venue de Boaké, Adjassi Boaké. Hein, on a une rencontre aujourd'hui. Un match de gala à 15h et puis le soir, c'est Mix Party avec toute la team, hein, l'Adjassi section Yopougon et l'Adjassi section Boaké. Big up au président et puis à mon ami DJ Smith. Bonne arrivée, les gars. Moi, je voudrais te poser une question en fait. Tu as dit noce de cire, c'est 4 ans. Ouais. Et quelqu'un qui n'est pas encore marié, c'est noce de quoi? C'est noce. Noce, c'est noce de choses, noce de caméra. Alors, bouillon! Les amis, oui, oui, les amis. Non, je t'aime trop, c'est ça. Bon, allez, vous allez vous amouracher plus tard. Pour l'instant, on est là, on est en Papouasie. Alors, on se rapproche des primus de 2023. Oui. Et Vital a lancé un appel aux stylistes qui souhaitent l'habiller. On le sait, à chaque édition des primus, voilà, on a des styles atypiques, hein, des styles vraiment extravagants. Et c'est ça qui donne, c'est ça qui, c'est une tâtonne, une touche particulière, n'est-ce pas, à cette manifestation. Alors, on va voir quelques photos de Vital lors des précédentes éditions. Voilà. Il y a qui? Voilà. Vivi. Voilà, voilà. Non, Vivi. Ah, tu es l'homme même, tu es l'homme même. Alors, voilà. Donc, on va aller sur la première, Tintin, si tu permets. On va aller sur la première, comme ça. Voilà. Ça, c'était à quelle édition, ça, Youhou? C'était au primu de... Je ne me trompe pas. 2022. 2021. D'accord. Il y a eu 21, ouais, ça c'est 21. 21. Et puis. C'était 2020, je pense. 2020, ça. 2000, non, oui, 2020. 2020. Mm-hmm. Et puis et après ça, il y a eu 2021. Après ça. Ça, c'était 2021. Ça, c'est l'année passée, non? L'année suis passée. L'année suis passée. Ah, ok, l'année d'accord. Okay. Voilà. Et puis après. L'année passée, là, je pense qu'elle n'a pas trop. C'était stop. Non, ça c'est succès. C'est qui était en bas de. Donc, ça, c'est 2022. 2022. Et ce qu'on a vu précédemment, c'est 2021. 2021, okay. Voilà. Et puis l'autre en bas, c'est 2020. Voilà. Ah, vite. Elle est chaque année, elle est oui. Alors. Youhou, moi, je veux savoir. Que seraient les éditions des Primudes sans Vital et les styles?
Bon, Moulou, président, tu sais qu'il n'y a pas que Vital. Mmh. Tu sais que le Primud, c'est l'événement où les styles extravagants se croisent. Oui. On a eu même... Les styles qu'on voit chaque année. Tu sais que quand on dit un événement... Là, on parle de mode. Tu peux prendre la poche de cas, s'il te plaît? OK. Voilà. Alors là, je te disais, Moulou, et que... Le Primud, c'est l'événement où tous les styles se croisent. Ouais. C'est-à-dire que les styles, tu veux même drap, sucou, ouais. Se trouve là-bas. On a vu Gadoukou. Oui. Avec le style de Gadoukou. Toujours. On a vu Yaya, moi, les choses comme ça. Gadoukou. Ça, c'est au Primud. Ça, c'est pas au Primud. Mais Omachi Yaya. Lui, c'est au moins le pas de Omachi. Ça, c'est pas au Primud. Tu vas voir ça là. Il y a Omachi Yaya. Lunettes de Omachi Yaya. Ils ont pris deux fourchettes. Ils ont cassé ça comme ça. Puis ils ont mis cuillère au milieu. Style porco. Ils ont fait le porc. Ils ont perdu là-bas même. Après, Rémi Adam aussi est venu dans le peignoir pour nous donner, pour nous servir. Là-bas, c'est au premier dans tous ces styles-là. Donc, je pense que c'est ça le style. C'est ça qui fait le truc. En tout cas, le premier, c'est bientôt, on vient de le dire. Alors, donc, c'est l'occasion pour tous les stylistes de sortir le grand jeu. Alors, chers amis, nous sommes aujourd'hui mardi. Il y a forcément des paparisations. Allons toujours découvrir ce que cette session nous réserve. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de la session du jour, Petit Denis débarque en Papouasie. Sa carrière s'est démêlée avec Dao l'argent, ses projets. Koulaté va tout déballer aux autorités. Pour son grand retour, Alain Giz a mis le palais de la culture à ses pieds. La Berekam y était. Retour sur ce show dans un instant. Ils sont fous, mais ils ne sont pas dans un asile. Tous les jours, ils se réveillent tôt et vous entraînent avec eux. La team Crazy Morning sera aussi face aux autorités de la Papouasie. Oui, cher Papouas, vous l'avez entendu dans le sommaire, le premier invité du jour est une légende du Zouglou, un enfant de Gbataniko. C'est le capot, c'est pas le capot de Touti Kapi, mais c'est le capot du Zouglou. Recevons pour la première fois en Papouasie, Petit Denis Kouaté. Le taureau. Il faut fixer là-bas. Ça va, cousin. Il s'agit qui, quoi? La caméra. Oh, calme. Dingo, alors, quand on reçoit un invité pour la première fois dans notre pays, le premier ministre que voici se charge de présenter notre beau pays à l'invité. Donc, je vais lui laisser le soin de le faire. Alors, Dingo, ici, c'est la Papouasie. Okay, c'est le pays le plus grand au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Plus de 7 milliards d'habitants. Ici, notre monnaie, c'est les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, c'est le pays le plus riche au monde. Notre pays est dirigé par un homme que Dieu a fait descendre de façon spéciale. C'est M. le Président Moulukoukou, Didier Moulukoukou. Mes félicitations, frère. Ah, OK, d'accord. Et notre capitale, donc, Madame la gouverneure de notre capitale, Beré City, Karima Steele. Oui. Et je suis Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. OK. Monsieur le Premier ministre, dans ce pays. Allez, j'allais vous rappeler la devise. Oui. Est-ce que vous rappelez la devise de ce pays, c'est union, discipline et dépaporisation. OK. Dans ce pays, il faut faire très attention à tout ce que tu dis parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. Des questions? Allons avec. C'est bon? On y va. Ok. Mais je voulais vous dire, je suis enchanté de faire votre connaissance. Nous aussi, on est très enchantés de faire ta connaissance. Ok. C'est un gouvernement, non? C'est un gouvernement. Oui. Alors, ça. Toujours. Okay. Je salue madame la sénatrice Mimi Blonde. Mimi Blonde, bien voilà, sûr. Voilà, qui est dans ses bureaux, oui. En train de développer des dossiers très lourds qu'on va vous présenter tout à l'heure même. Elle a une mission assez très lourde. Oui. Très lourde. Très lourde. Oui, donc, oui. Mais on lui fait confiance. C'est pour ça qu'on l'a intronisé. Bien sûr. Voilà. Petit Denis, puisque tu es là, on va parler. Arrête de m'appeler Petit Denis. Je t'ai dit que j'étais de ça. Comment? Arrête de m'appeler Petit Denis. Denko. Kouaté. Capitaine Denko Kouaté. Vas-y, ça roule. Pourquoi tu enlèves Petit Denis? Je suis vieux maintenant. T'as plus petit.
Non, sérieusement, je suis vieux. La Côte d'Ivoire. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on y va avec Denko, c'est bon. Denko pour nous cloîter, capot, il n'y a pas de problème. Voilà, ça nous échappe, il faut comprendre. Non, en fait, j'ai débuté ça. Je sais. Souvent, je vous comprends. J'ai débuté ça. Mais vous-même, là, quand même, dans votre gamme, en voyant mon âge, bravo. Comme ça, Karina, toi, tu m'as appelé, frère. Oui, si. Bon, quand toi, tu m'appelles petit, Denis, ça te voit. Même le petit, même que tu m'as dit ça, mais c'est quoi, tu m'appelles petit, frère. Non, c'est vrai. D'accord, donc, cloîté. Donc, allons-y. Face à toi. Comme les grands pays, notre pays a des règles. La règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Mmh. Et seulement la vérité. Mmh. En Papouasie, on dit j'élégir. J'élégir. Toujours. Bon enfant, bon enfant, bon enfant. Alors, Denko, tu as passé beaucoup de temps en Europe. Tu es au pays depuis maintenant quelques temps. Alors, comment ça se passe pour toi? Comment? Comment ça se passe pour toi en ce moment? Franchise, franchise, franchise. Franchise, franchise. Oui. Ah, j'étais le coup. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Quand tu dis « je tiens le coup », c'est qu'il y a une situation. Il y a une situation à laquelle tu as échappé, tu essaies d'échapper. C'est comme ça que je comprends ça. Est-ce que c'est correct? En fait, j'ai trop... Bon, il ne faut pas que je monte aux gens pour dire que j'ai trop de problèmes ou comme ça. Non, non, non. En fait, j'ai mon addiction, tu vois. Hein? Et en fait, je suis plus livré à moi-même. Mais ma grosse chance, c'est que moi, j'ai vécu dans la rue bien avant que je sois star, tu vois. Donc quand je dis retiens le coup, au fait, tout à ma charge, quoi. À ma charge, tu vois. D'accord. Voilà. Mon toi, mon nanani, mon nanana, tu vois, en fait, non. D'accord. Donc celui qui a se mettre sur un plateau pour dire non, que ouais, c'est moi qui ai été petit dénaturement, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Donc le mot, je tiens le coup. Ça vient de là. Voilà, ça vient de là. Sinon, je ne suis pas malheureux de quelque chose, au fait, je ne suis pas... Quand tu dis que tu gères tes mouvements toi-même, tu fais quoi pour gérer? Qu'est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Où tu gagnes là? Parce que ça veut dire que c'est de l'argent. Comment est-ce que tu gagnes ton argent pour gérer ton quotidien, par exemple? Je vends des fleurs. Tu vends des fleurs? Papis, tu peux venir ranger le micro de Denko, s'il te plaît? Je peux peut-être... Chacun son travail, monsieur. Essaie de pousser un peu. C'est vrai, Oskito va venir faire ça. Voilà, fais descendre légèrement le micro, puisque la barbe touche. Ça touche ta barbe. Lâche ma chaîne? Non, pas du tout. Ta chaîne, ta barbe, quoi. Il va juste faire avec soin, s'il te plaît. Il a dit qu'il vend des fleurs. Ouais. Ah ouais, ouais. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Il vend des fleurs. Sérieux? Moi, je dis que je vends des fleurs. C'est une passion? Ou c'est pas ça? Au fait, tu vois, les fleurs, voilà, il y a l'amour dans les fleurs, il y a tout. Tu vois la carte, non, là? C'est ce que moi, il vend. D'accord. Ouais. Permets-moi de te poser cette question, puisque toi-même, tu as évoqué le sujet. Quand tu parles d'addiction, est-ce que tu mènes un combat où tu te dis, bon, c'est déjà fait, c'est fait, bon, allons à ça? Ou non, moi, il ne mène plus de combat. Je ne m'en bats les couilles. Souvent, vous avez dit qu'on ne dit pas des gros mots sur le plateau ou pas. OK. En fait, vous savez quoi? Actuellement, le pays est venu dans une gamme pour dire que, ouais, nous avons un gouvernement qui dit. Voilà, chacun se gère. OK. Donc moi, je suis ce que je suis. Celui qui veut, il m'accepte. Celui qui ne veut pas, il ne m'accepte pas. Seulement, je ne veux pas de l'amour de quelqu'un. Celui qui aime mes chansons, basta. Il y a un mot que je déteste surtout. Je suis ton fan. Ça, ce mot, je déteste d'entendre ça. Parce que moi, je n'ai pas de fans, je suis que des frères. D'accord. Okay. Ah, c'est bien dit. Donc mon addition, il ne m'en parle. Aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça soit un sujet de conversation parce que ça devient gawaya maintenant. Voilà, je suis cloîté, je suis sage. On roule ça. D'accord. Carole, Karina. Avant ton retour, Denko, avant ton retour ici à Abidjan, tes fans te suppliaient de rester en Bengue. Comme quoi, c'est Bengue qui est bon pour toi. Okay. Mais tu es revenu quand même. Hein? Qu'est-ce que tu as à leur expliquer? Quand tu mets quand même dessus, vous savez, Karina, moi je pars d'un pays ou d'un, je ne suis pas en règle. Hmm? Tu n'es pas en règle, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais bien de quoi il parle. Moi, je parle de cas de séjour. D'accord. Enfin, moi, quand je prends un fond, je pars avec des visas. OK? Sans même là, tant même mes spectacles sont tellement allongés, hein? Je ne respecte pas les engagements du visa. Pourtant, il faut les respecter. Si on t'a donné tel... Moi, si on t'a donné tel de... Tu finis, tu rentres chez toi. Ces gens qui disent que non, qui restent en France là, vous savez, moi, je le comprends. Mais il faudrait que eux aussi, ils arrivent à me comprendre. Parce que vous savez, ils ne connaissent rien de la France. Et ça, c'est quelque chose qui me fait chier. Et puis, écoutez-moi très bien. Vous savez,
La nourriture de tes parents que tu n'as pas pu manger là. Hein? C'est pas ta malade qui a donné ça à manger. Ok? C'est qui veut la... dire? Okay, vas-y. C'est qui veut dire? Si dans mon propre pays, ils pètent en paix, mais à l'aise, qu'ils arrivent de me dire non, que c'est la France, voilà, qui va me mettre à l'aise. Ok. D'accord. Bah, ça. D'accord. Ozo. D'accord. Alors, l'année dernière, précisément le 16 septembre, tu as sorti un EP appelé Lampedusa. Yeah. Lampedusa. Mm. Est-ce que ça veut dire que c'est le projet de renaissance de Denko? Non, j'aime pas le mot renaissance. Champion. Frère, moi j'ai un mot que j'ai dit tout le temps. Moi, je ne suis pas de retour. Je ne renais pas. Je suis toujours là, guerrier. Je suis toujours là. Et un silence ne veut pas dire une absence. Justement, le silence, qu'est-ce qui explique ce silence? Pourquoi En fait, tu vois, tout à l'heure, j'ai évoqué que non, je suis un peu tout seul, tu vois. Je me débat tout seul. Donc, tu vois, frère, moi, pour un artiste, moi, rentrer, quand tu es tout seul, tu ne peux rien. Il faut avoir le talent que tu veux. Tu n'as pas d'encadrement, tu n'es rien. Et ça, c'est le pire côté qu'il regarde un peu d'en haut. Tu vois ce qu'il dit, non? Et là, on s'embrouille, tu as vu, non? Mais ce côté professionnaliste, moi, je suis capricieux. Hein. Moi, je suis très, très capricieux. Et c'était le seul qui veut arriver à me tenir. Donc, actuellement, je n'ai pas d'encadrement. Cousin, je n'ai pas d'encadrement, il fait quoi de la musique? Je m'en bats les couilles, je n'ai plus. Je n'ai pas d'encadrement, il fait quoi de la musique? Ça devient de la plaisanterie. Voilà. Bon, tu as dit tout à l'heure que Dao était professionnel, qu'il t'encadrait bien et tout. Mais pourquoi tu n'es plus avec lui? Pourquoi est-ce que tu parce que, champion, Dao, il essaie. Mm. Dao, il a gourquet, il a gourquet. Mm. Mais dans la musique, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il y a un. Pas se soumettre, hein, parce que le mot sera un peu trop fort. Il faut qu'il y ait un qui essaie de comprendre l'autre et rouler sur la carte de l'autre. Et celui qui doit comprendre l'autre, c'est Dao qui doit comprendre d'un coup. Moi, je suis très capricieux. Moi, je ne peux pas mentir à quelqu'un. D'accord. Je suis un artiste. Doucement. Bah, vas-y, essaie de t'asseoir. Non, il n'y a pas Fata. D'accord. Okay. Il ne peut jamais tomber au bas. Ok. D'accord. Okay. Je suis un artiste très, très capricieux. Mm. Mais malgré mes caprices, c'était le seul qui arrivait. Tu connaissais mes cartes, tu as vu, non? Bon, c'est embrouillé. Moi, je trouve. Voilà. C'est parti de quoi, cet embrouille? Ouais. Vous savez, c'est les choses qu'on ne doit pas revenir là-dessus. C'est pour des histoires banales. Et moi, quand je pense que c'est une histoire de thune, donc, mais ça le fait plus honte que, tu vois, comme je vous l'ai dit, donc il a un sang chaud, moi j'ai un sang chaud, t'as vu? On s'est embrouillé par rapport à ce parti en couille. Mais ça, on ne revient pas là-dessus, ok? C'est un problème d'incompréhension, alors. On va faire attention avec les mots, puisque les plus jeunes nous regardent et puis on est en direct à la télévision, donc on va essayer de t'amuser un peu. Hein? Okay. Alors, qu'est-ce que vos rapports aujourd'hui, Dao et toi? Bon, faut qu'on soit franc parce que, bon, ces deux dernières semaines, on a essayé de rentrer en contact et bon, chacun dit à son pote, bon, voilà, c'est vrai, bon, il reconnaît ça, mais toi aussi, il faut faire comme ça. Bon, on a bien parlé. Et puis, bon, il faut qu'il soit franc. Et c'est pour cela la présence de ce plateau, voilà, c'est pour ça quoi, en fait, tu vois. Est-ce que tu regrettes Non, un garçon ne regrette pas. Un garçon, il ne regrette jamais. Moi, c'est le mot regretter, là, moi, je n'ai jamais connu ça. Un garçon, il rectifie ses fautes, c'est tout. Mais tout à l'heure, tu as dit que Dao t'encadrait bien, il était professionnel. Oui, il était professionnel. Je voulais être là, vous savez. Tu as l'impression que Dao quitte dans ta vie, si tu vois que ça ne sera plus. Pas dans ma vie. Pas dans ma vie. Dans ta carrière. Okay. Mais c'est que tu regrettes, parce que tu dis. Non. Tu confirmes que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup apporté. C'est que vous n'avez rien compris. Parce que ce soit Dao, que ce soit quelqu'un d'autre, Denis reste Denis. OK. D'accord. T'as dit que je regrette mon cousin. Non, je ne regrette pas Dao. Dao non plus, il ne me regrette pas. Mais on travaille mieux ensemble. OK? Voilà, donc ce n'est pas un regret. D'accord. Okay. D'accord. Tu voulais rebondir. Ça fait du bien de t'avoir sur le plateau, en tout cas. Et puis, on se parle à cœur ouvert. Voilà, vraiment... j'adore ça. Ouais, si. Alors, si la régie nous permet, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, on peut bavarder avec quelqu'un? C'est possible? Tentage, attach, non? Alors, Denko, on a quelqu'un en ligne que tu connais très bien. Dao l'argent, bonjour. Ah ouais. Allô. Bonjour Dao. Ouais, bonjour la famille. Bonjour Dao. Bonjour. Dao, ça va? Karina, c'est bien ou quoi? Ça va. Yeah. Ok, cool. D'accord. Où est-ce que tu es en ce moment?
Je suis dans mon amant, je suis dans ma voiture. C'est à Paris, je pars au restaurant, tranquille. Il y a qui dort en voiture. Hein. Pas au restaurant, tranquille. Puis bon, voilà, toi. D'accord. Il y avait des techniciens qui ont contacté avec moi, donc j'ai fait une pause. Super, c'est cool. Voilà. En tout cas, merci pour le temps que tu nous accordes. Nous sommes avec Petit Denis. Non. Nous sommes avec Denko, pardon. Denko Cloate et sur le plateau. Attention. Alors, comment se passe, comment se porte le showbiz en Europe, à Paris? Le showbiz à Paris, déjà, il faut dire que déjà, moi, j'ai fait une grosse pause, déjà, voilà, parce que j'avais déjà des projets personnels. Voilà, j'étais en formation, en chef et tout. Voilà, et à la suite de ça, ben, donc, j'ai vu les showbiz parisiens, mais en fait, honnêtement, je ne les ai pas en tant que tel. Voilà, ben, il faut dire que les showbiz parisiens, ben, c'est comme toujours, hein, plein de gangrènes, plein d'histoires, plein de malentendus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entente. Voilà. Et c'est dommage que les choses se passent comme ça. D'accord. Donc, je peux dire un mot, c'est le choix de Paris d'un peu plus fortement. D'accord. Alors, bon, on parlait du showbiz ivoirien en France. Hein, d'accord. Et on a Denko sur le plateau. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Mes rapports avec. Faut de la vérité, hein. Mes rapports avec Denis, il faut que les gens se. C'est-à-dire, j'écoute ce que je veux dire aujourd'hui. Denis, c'est pas une question d'artiste particulièrement. Denis, c'est mon frère. Voilà. Donc, mes rapports avec lui sont des rapports fraternels. Seulement que, c'est-à-dire, il fallait en fait déjà faire une pause. Justement, c'est très important, la vie. Voilà. Il faut faire une pause et laisser en fait le temps réparer certaines choses. Voilà. Et comme on dit, le temps, c'est le second nom de Dieu. Sinon, lui, au moins, il sait que ce n'est pas une question de « Ouais, Denis, c'est un artiste, c'est talentueux, manger un peu très tout, c'est quelqu'un avec qui je peux faire de l'argent, non. » Parce que Denis, les gens, ils ne comprennent pas qu'il faut déjà l'aimer. D'abord, il faut aimer l'homme. Voilà, avant de passer au côté pécunier. Justement, il a dit tout à l'heure qu'il est très capricieux, lui, il est très, très coléreux, toi aussi, tu as le sang chaud. Donc, le contact, la communication était quand même difficile entre vous deux, puisque, enfin, vous avez le même sang. Non, ça ne peut pas être difficile. Ça ne peut pas être difficile, parce qu'en vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est tendu, moi, je suis tendu. Donc, quand c'est pas lui et moi, là, c'est vrai, ça fait masse. Masse, là, lui et moi, j'ai ça. Voilà, ça fait masse, mais lui et moi, j'ai masse, là. Et il a son petit nom, là, tu vois. Parce que, mine de rien, il m'a manqué, hein. Doudou jusqu'à la fin de l'émission. Doudou. Au fait, c'est une meuf. C'est une meuf là-bas. Au fait, là-bas, ils disent pas chérie. Ils disent Doudou. Et c'est juste en communication avec Dao. Et là, je suis mort dans le film. Et la meuf est en train de m'appeler Doudou. Et là, lui, il me voit en doudou. Moi, je suis pas doudou. Hein. Alors, Dao, Dao, l'agent, on voit que vous vous entendez bien, vous riez, on voit qu'il n'y a pas de palabre, mais vous n'êtes plus ensemble au jour d'aujourd'hui. Là. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'étais à Paris, nous tous, on a entendu les choses. Les papas ont entendu les choses. Laisse-moi parler, Dao, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé réellement entre Denko et toi. Mais voilà pour. Attends, qui ont voulu régler en fait les problèmes avec moi, mais comme c'est pas des bonhommes, ils se sont servis de Denis en gros, voilà, pour créer un peu la zizanie rapidement, voilà. Il y a eu quoi concrètement? Il y avait déjà un malentendu, déjà en fait ils se sont servis du malentendu qu'il y a eu entre lui et moi, voilà, et ben ils se sont un peu, comme ils savent que c'est quelqu'un aussi qui a gros cœur, et puis bon, quand lui les gamés, voilà, donc voilà, quoi, ils se sont mis en groupe chez lui, ils ont un peu influencé l'homme de lui comme ça, voilà, pour qu'il m'essalisse, pour qu'il fasse des choses, en fait, que lui-même, au fond de lui, il n'a pas envie de faire. Parce que moi, je sais que Denis, jamais Denis aurait fait une sortie comme ça, pareil, je ne suis pas personne.
Voilà, donc pour ça, déjà, ça fait que moi, j'ai rien compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est mal entendu. Alors, Dao, est-ce que vous pourriez vous remettre ensemble? On est déjà ensemble? Oui, on est déjà ensemble, lui, moi. Non, vous avez dit que vous ne travaillez plus ensemble. Vous ne travaillez plus ensemble. Toi, mais t'as dit ça. Professionnellement, quoi. Mais attendez, moi, je comprends rien. Vous savez, c'est le côté qui est mauvais au fait dans le milieu showbiz, là. Au fait, pour vous, quand vous êtes un producteur, il faut que ça soit basé seulement sur la musique. Mais à part ça, là, mais il y a une histoire fraternelle. Non, mais nous, ce qui nous regarde, c'est le professionnel, là. C'est professionnel. Non, est-ce que vous avez une musique, là, maintenant, on repart. Mais attends, quoi, attends. On repart sur une autre base. Donc, quand on te pose une question, tu réponds. Attends, c'est à Dao, on a posé une question. Dao, est-ce que vous allez travailler encore ensemble? Sur le plan professionnel, bien sûr. Non. Professionnel, non. Mais Pourquoi? Parce que, au risque de me répéter tout à l'heure, comme j'ai dit, en fait, quand il y a eu en fait, l'incompréhension entre lui et moi, ben, les gens se sont directement accaparés en fait, des délits. Parce que quoi qu'on dise, Denis, c'est une grosse tête. Voilà. Denis, c'est un gros talent. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce que j'estime qu'ils se sont dit quoi? Que peut-être que moi, en fait, mon travail avec Denis était arrivé au moment à Thèmes et j'allais prendre le relais, justement. Donc, moi, j'ai laissé faire les choses. Voilà. Mais pas plus tard que, je crois, la semaine dernière, il y a sa maison de production actuelle, Kinex Music, qui est entré en contact avec moi. Voilà. Dao. Ils m'ont contacté via en fait, email. Mm. Et moi, en plus, justement, c'est-à-dire, voir dans quelle mesure on allait collaborer. D'accord. Donc, pour vous dire, en fait, on ne travaille plus ensemble professionnellement, mais les choses vont pas tarder à répondre. D'accord, okay. Dao. Alors, si quelqu'un veut Denko pour une prestation en Europe, un peu partout dans le monde, et qu'on vient te voir, qu'est-ce que tu fais? Va signer. Là, si on vient me voir là pour l'instant, ce que je vais faire déjà, je vais chercher à entrer en contact avec sa maison de production pour qu'ils me disent, en fait, c'est qui le manage. D'accord. Et je mets la personne directe en fait en contact. D'accord. Voilà. Denko, tu as entendu Dao. Dao dit qu'il veut, il travaille plus avec toi professionnellement. Ah. Toi, tu réponds quoi à ça? Bon, cela engouffre plusieurs paroles en même temps. Hein. Voilà, quand même professionnellement, parce que, bon, d'ailleurs, il ne peut plus être mon producteur, vous savez ce que je veux dire. Mm. OK. Parce qu'il y a plusieurs manières de travailler avec l'artiste, que ce soit en distance, même, tu vois, non? Mm. Voilà, comme il a dit. Est-ce que toi, tu as envie de retravailler avec Dao? Non, en fait, j'ai envie d'être toujours frère avec Dao. Voilà. Okay. Ça, c'est ça, parce que c'est ça qui est la base, en fait. Mais côté frère, là, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, voilà. Donc, voilà, David, non, c'est voilà. Tout à l'heure, okay. Mouloukou a parlé de contrat. Si quelqu'un venait lui parler de toi pour un spectacle, tu as dit qu'il va signer. Mouloukou, j'ai l'impression que Denko, il a dit tout de suite qu'il n'est plus Monsieur son producteur. Monsieur le président, Karina. Monsieur le président. Monsieur le président, Denko a dit tout à l'heure que Dao n'est plus son producteur. Il peut ne plus être son producteur, mais être avec lui. J'ai l'impression que Denko, tu veux nous dire que même si tes contrats peuvent passer par Dao, Dao peut t'aider, peut te tendre la main. Dans la mesure où même ce n'est pas ton producteur, il peut quand même t'aider. Donc tu veux qu'il te gère. Tu veux qu'il te gère, mais pas être ton producteur. Ça, c'est non, ce que non, tu non, dis. Mais gère-moi, je suis pas une cabine. Non, ce que j'aimerais savoir, tu aimerais qu'il te gère dans ta carrière. Dao, t'es pas là-bas. Oh non, j'aimerais attendre tous ces mêmes... J'aime attendre tous ces mêmes conseils, tu vois ce que je veux dire, non? Si. Voilà, ces mêmes paroles voilà, qui me boostent un peu, tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Parce que c'est tout ça qui est important aussi. Oui. Voilà. Denko. Est-ce il y a Dao qui voulait parler. Dao, tu m'excuses. Denko, tu mm-hmm. Nous tous, on sait que toi, tu sais que Dao, c'est ta personne. Oui. Et en tant qu'adulte, tout à l'heure, tu as parlé, tu as reconnu que tu avais fait des erreurs. Est-ce que tu as envie de t'excuser auprès de Dao pour ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas à m'excuser. Dao non plus, il n'a pas à s'excuser. Parce que, si on sait que, entre garçons, ça part en couille souvent. Et c'est moi pour le mot. Non, on dit plus ça. Voilà. Mais si on reconnaît ses erreurs, tout de suite qu'on a foutu, personne n'a s'excusé. Voilà. Moi, je voudrais savoir, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes parlé, Dao et toi? Faut pas que je vous mente. Moi, c'est dernier temps, on a commencé à renouer le contact. D'accord. Après combien de temps de pause, Dao? De pause. Dao, vous avez fait combien de temps sans vous parler? Après combien de temps de pause?
après un an, on va dire. Un an, quelques mois. Fait un an sans vous parler. Et demi. Parce que tu étais vraiment, parce que tu étais vraiment fâché, tu étais vraiment fâché après lui, c'est ça? Ouais, fâché, oui, parce que en fait, bon, c'est-à-dire c'est l'image de Denis qu'ils ont mis devant. Voilà. Donc j'étais fâché parce que c'était l'image de Denis. Mais je n'étais pas fâché après Denis lui-même. Mais j'étais fâché parce que c'est l'image de Denis qu'ils ont mis devant. Et c'est Denis, en fait, qu'ils ont utilisé pour pouvoir, en fait, faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Mais après, pour le reste, en fait, oui. D'accord. D'accord. Pardon, t'as moins interrompu. On veut pas prendre le fil. Moi, je vais est-ce que j'arrive, Denko? Est-ce que tu as envie de pardonner? Tu as envie de dire quelque chose à Denko là, devant les papouas? Non, mais d'abord, c'est moi qui vais te commencer quelque chose d'abord. Bon, ok, Daou, on l'écoute. Okay. Et Daou? Da? Tu sais, on nous aussi, elle n'a pas fait de coup, excuse. On dit bras, on tape l'œil. Hein. Ah, oui, oui. On tape l'œil. Hein. Voilà, tu connais la carte. C'est la famille où j'ai jamais un ton, trois ton où. Malentendu, quoi m'a dit qu'il y a dit que tout le route était mal goudronné. Mais voilà, on a ça maintenant bien goudronné la route. Tu connais la carte, non? Ouais. Donc on passe dessus, tu connais la carte, non? Daou, c'est à toi de jouer. Bon, ce que j'ai envie de dire déjà à Denis. Ouais, bra. Il sait, moi je sais, bra. Ouais. Voilà. Comme tu disais, on est en direct. Mmh. Moi, je vois trop parler nous aussi à toi. On parle du bon français. Exactement, on parle. Ah. Mmh. Donc, ce qui est venu à Denis, c'est-à-dire, je veux dire à Denis que ce frère-là qu'il n'a jamais eu, cette famille-là qu'il n'a jamais eu, en parlant de moi, en parlant de cette famille, justement, parce qu'il dit ça, nous sommes toujours là. Et on ne peut jamais le lâcher, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais en toute chose, parfois, en fait, c'est-à-dire, il faut reculer. Et comme on dit, le recul du bélier, ne veut pas dire qu'il abandonne le combat. Ouais. Moi, j'ai reculé, j'ai observé un peu. Et je vois qu'il est temps. Il est temps que, en fait, les choses reprennent plus qu'avant. Ouais. Voilà. Donc, je suis toujours avec lui. Mmh. C'est mon frère. Mmh. En son temps, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une complicité, en fait, c'est-à-dire qu'il ne dit pas son nom. Voilà. Là, en ensemble, bientôt, moi, il vient à Djoufou. Et puis, on a laissé ça. On allait répondre à la voix. Et puis, on continue. Okay. Mais avant de demander complet. Hein. Daou, je vous. Deux complets. Le complet que tu connais là. Le complet tag là. Le complet tag là. Mais est-ce que tu sais le parfait qu'il a mis? Tu connais le parfait qu'il a mis? Lui, il est fond des arbres. Non, le parfait qu'il a mis. Écoute, Daou, vraiment, on te remercie déjà pour ta sagesse. Merci pour voilà, cet état d'esprit, cette grandeur d'esprit. Merci encore de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis, tu sais, on reste ensemble. On se prend en off. Inch'Allah. Allez, passe une bonne journée. Et puis, bien de choses à tout le monde là-bas. Bye-bye. Denko, nous aussi, je vais réitérer, on a beaucoup de respect pour toi. On veut te revoir sur la scène. C'est réciproque. Et ça va se faire, Inch'Allah. On ne peut pas t'avoir sur notre plateau et puis ne pas bénéficier d'une prestation. Cher papouas, pour la première fois en Papouasie, Gloaté, El Capo, mais pas de Tutti Capi. Denko, Tetich. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Chauveuse, émission numéro 1 en dépaporisation. Alors, il est temps de recevoir l'équipe de Déjanté qui vous réveille tous les matins. Recevons en Papouasie Ariel, Wilfried Choupi, Prince Elby et Tia. Que faites-vous ici? Qui vous appelez ici? Que faites-vous ici? Bah, écoutez, c'est la famille. On est là. Voilà, merci d'être passé à la barre des accusés. Ça va bien, les gars? Ça va bien? Ça va bien. Salut, Léon aussi. Tiens. Fais des bisous, moi. Mmh. Bisous comment? Tiens, la seule chose que tu as, c'est que tu es ton boy. Sinon, les dossiers sont. Les dossiers jonchent. Les dossiers jonchent le long du plateau. Ah bon, hein? Ça va bien, les gars? Oui, ça va. Ariel. Oui. Wilfried Choupi. C'est moi. Elby. Presse Elby. On dit Elby ou bien. LB, presse. LB. C'est presse. Ça dépend de ta langue. Hein. Ah, mais lui, il est guéri, donc on va comprendre. Si il est guéri, c'est qu'il va déformer. Lobo. Ah, mais c'est ce qu'il te dit. Si il est guéri, il va dire Lobo. Mais c'est Lobo même. Lobo. C'est Lobo. C'est ça. C'est LB. Mais tu sais qu'il y a des techniques que les guéris n'arrivent jamais à maîtriser, quoi. Non, seulement que le truc, c'est quoi? C'est que guéri est fort en langue anglaise, mais c'est la langue même là, qui lance sa bouche là, qui déforme son anglais. Il y a connu un gars comme ça en 6e, les 7 jours de la semaine en anglais. Lundi, il dit mon daï. Mardi, tu es daï. Mercredi, oui, tu es daï, pour ça, il daï ici dans. Bon, à l'émission de jour, qui a déjà foulé aujourd'hui? Ah, c'est lui.
C'est lui. C'est lui, hein. C'est vrai, c'est lui. Mais moi, j'ai appris que, bon, comme on ne vous a pas vu, j'ai appris que Soupy a dansé ce matin. Non. Si, c'est moi, c'est ce qu'on m'a dit. Non, les danseurs habituels, Ariel. Non, il y a quelqu'un qui était dans le studio là-bas qui m'a tapé le son. Aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas dansé. Je le gire. Bon enfant. Vous avez bluffé, hein, j'ai les J, vous avez pris en même temps. C'est bon pour nous. Quand on reçoit des invités, de nouveaux invités sur notre plateau, le Premier ministre se charge de faire la présentation du pays. Alors. C'est le plus grand pays au monde situé entre le Kazakhstan et le Bénin. 7 milliards d'habitants. Notre monnaie officielle, c'est les feuilles. Une feuille égal à 10 000 Français. Les yeux rougissent. N'allez plus vous chercher en Europe, les enfants. Venez en Papouasie, il y a tout ici. Voilà, le petit Djosser de Nama ici est payé quand même à des millions par jour. Quand même. Voilà, parce que c'est la Papouasie. Alors, notre président, le président de ce pays, au cas où vous ne le saviez pas, notre président, c'est M. Mouloukoukou. Il a été élu démocratiquement à vie. Ok, c'est bon, vous avez capté c'est ça. Ok. Bon. Et notre très belle gouverneure de la plus belle capitale au monde, Barry City, elle est là, Madame Karen Style. Bonjour. Et c'est lui qui gère la Constitution, c'est moi-même. Moi-même, c'est moi-même qui gère la Constitution. Comment c'est moi-même? Je suis le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. C'est bon, okay. Ouais. Notre devise ici, oui, c'est union, discipline, dépapourisation. Des questions? Tout va bien. Alors faites très attention pour terminer à ce que vous allez dire, parce que ici la moindre erreur, c'est la prison à vie. Mmh. Est-ce que ça vous va? C'est bon. Ça nous va. C'est okay. OK. D'accord, alors. On peut continuer. Mais pourquoi qu'on a parlé de feuilles? T'as tes yeux, on s'est brillé. Mais je suis une femme. Alors, les présentations sont ainsi faites. Vous serez face à trois. Face à trois. Vous connaissez, elle connaît déjà la règle d'or, mais bon, je sais que vous suivez l'émission. Willy lui connaît aussi déjà. Il a déjà géré. Ok, lui, il a géré. La règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. D'accord. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Alors, je vais vous demander de vous présenter chacun. Qui fait quoi dans Crazy Morning? On va commencer par Tia. Eh bien, moi, je suis Tia et je... Qu'est-ce que je fais dans le Crazy Morning? J'en fais des choses. On sait ça. Je bavarde. Tu cries aussi. Je crie beaucoup. Voilà. Et puis, j'essaye d'insuffler de la joie, de la bonne humeur et de l'énergie aux auditeurs. Comment tu cries, là? Elle peut faire ça. Comment tu cries un matin, là? Yagbere! Voilà. Madame la gouverneure, selon la Constitution, lorsque on a des voisins de l'autre chambre, la chambre d'à côté, qui bérétisent, oui, les pourcentages doivent revenir à Madame la gouverneure. Mais bien sûr, ouais, mais c'est pas normal ça. Hein? D'accord. Béret. Oui. Attends, qui vous a dit de vous réveiller les matins? C'est pas mon problème pour vous. C'est vrai avant toi, Kaïla. C'est ça le problème. On dépaporise avant vous. D'accord. C'est ça le truc. Alors, Willy, à toi. Oui, Wilfried Anoma à l'état civil, à l'état Crazy Morning, le nom de l'émission, c'est Willy Choupi. Choupi, c'est un nom qui m'a été attribué par une collègue, Nanda, que je salue déjà au passage. C'est Nanda. Bien ce nom, voilà. Puis finalement, c'est resté, quoi. Voilà. Choupi, moi-même, Choupi, j'ai ajouté Tilapia dessus. Parce que, ouais, voilà. Choupi, j'ai appris Tilapia. À nager 24 heures grâce à M. Isaac Dessau. Donc finalement, voilà. Donc chacun peut donner son nom, en fait. Nanda a donné, Isaac Dessau a donné, chacun peut donner. Sinon, arrête ça, pardon. Moi, je peux donner. Non. On va trouver ça après. Alors, moi, à l'état public, je ne dirais pas, parce que c'est un nom qu'on peut prendre pour encaisser les crédits. Donc, à l'état public, c'est le prince Elbi, le littéraire de Babi Papa dans Chiaï. Maintenant, tu transpires pourquoi? Mais sur le plateau ici, c'est tout le problème. Son corps va pas. Ah ouais, je comprends pas pourquoi il transpire. Non, pardon. Son corps va pas. Son corps va pas notre. Alors, la lumière. Alors moi, c'est Ariel Diéhi. J'ai tellement de prénoms, mais je vais couper. Ariel Diéhi. Je suis. Diéhi. T'es guéri. Toi, t'es guéri. Je suis Wabé. Non, faut pas. C'est même chose là. Ouais, ouais, mais Wabé, c'est plus. C'est plus. Wabé et guéri, c'est pas pareil. Arrêtez. On a compris. Vas-y, continue de parler. C'est dangereux. On a compris. Guéré, ça dilue un peu. Hey voilà. Voilà, donc moi, je suis la petite du groupe. Donc, j'apporte de la joie. Moi, je suis tout le temps en train de rire. D'accord. Voilà. Toi, tu fais rire. Avec Béret aussi. D'accord, ok. Je suis dans la... Alors, Tia, c'est bon voilà, Tia et Willy, vous qui étiez là la saison dernière, qu'est-ce qui a changé cette année?
vous êtes Tillé, Tia. Vous qui étiez Tia, à nous Tia. Qui étions là la saison dernière. Oui. Bah, qu'est-ce qui a changé? Bah, on a accueilli deux nouveaux membres dans cette équipe, Prince Elby et Ariel. Et puis bon, bah, qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, moi. Bah, je pense que c'est la même bonne humeur qu'on distille, on distille là plutôt chaque matin aux auditeurs de la radio. On distille ou on distille? Non, distillé, au lieu de distiller. Parce que eux, là, dans l'émission, là, quand tu écoutes le matin, souvent, quand j'écoute l'émission, elle vient manger ça. Parce que la partie où on commence à apprendre aux gens à parler français, là, ouais. Je ne supporte pas. Non, mais c'est bon, vous savez, parce qu'en plus de donner de la bonne humeur, il y a aussi l'information, il y a aussi l'éducation. C'est important. Aux masses, aux milliers d'auditeurs qui nous suivent. Donc, c'est vraiment important. Et moi, je tire le chapeau encore une fois à Tia, qui chaque matin essaie de nous reprendre toutes les fois qu'on fait des erreurs sur certains mots. Et c'est tout cela, la formation, on finit jamais d'apprendre. Ouais. Et voilà, c'est ce qui se passe ici sur le plateau. Ici, il faut, à chaque fois que je reprends ces gars-là, c'est tout le temps, ça part dans tous les sens. Oui, mais souvent, c'est compliqué. De reprendre les gens. Hein. Non, mais entre nous, sérieusement, entre nous trois, lui-même qui fait, même, c'est lui qui commande nous trois. Ozone. Toujours. Le problème qui se passe dans cette émission, c'est qu'on doit faire une émission où chacun va parler dans sa langue. Je pense qu'avec ça, on aura moins de problèmes. Ah, faut pas le demander à Tia. Il n'y a pas de souci. Non, moi, pas de showbuzz. Hein. Pour les autres, il ne sait pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelques jours, la Brecam a fait partie des services secrets de la. Mais présent, il a fini, changez-le. C'est lui qui est parti, il va falloir introniser notre gamme. Ouais, c'est bien envoyé ça. Il t'a dit que les voisins de la chambre d'à côté. Tu penses pouvoir nous impressionner, nous déstabiliser, mais t'as fait fausse route. Je suis là, c'est moi. Et tu es pour le coucou. Président élu démocratiquement à vie de la. Igwe. Alors, la Brecam s'est introduite dans les locaux de Nostalgie. Regardez. De suite. Alors, généralement, le matin, quand on arrive, chacun va vaquer un petit peu à ses occupations pendant quelques minutes. Celui qui doit aller à la technique, donc généralement, c'est Choupi. Ça, c'est notre outil de travail. C'est la table de mixage, encore appelée table de diffusion. C'est le matériel, le cœur de studio radio. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est ce qui nous permet de pouvoir envoyer le son à l'antenne à des milliers d'auditeurs. Ben, voilà. C'est la nouvelle équipe hein, cette saison. Donc on a gardé deux anciens et puis on a deux nouvelles personnes dans l'équipe. Ariel. Donc Ariel qui était sur le programme C'est Radioactif la saison dernière. Et puis le nouveau, hein, Prince Elby qui est là. Donc Prince Elby c'est un peu notre sniper, notre humoriste, voilà. Donc lui, il entre vraiment à tout moment dans l'émission. Il a toujours, voilà, il a la vanne facile, il a l'humour facile. Donc, et puis, il nous fatigue. Hello, bonjour tout le monde, bon réveil à tous, bienvenue sur Nostalgie, bienvenue dans le Crazy Morning. On est ensemble pendant 4 heures. 4 heures de bonne humeur, 4 heures d'information, 4 heures de belles rubriques et 4 heures de bonne musique, n'est-ce pas? Oui, justement, Titi, on se retrouve à 6h10 dans 13h d'ici et d'ailleurs. On va parler d'une chanson que vous connaissez sûrement, Shakira Waka Waka. On travaille sur le téléphone, on a tout, on a nos rubriques. Donc je pense que chacun d'entre nous a une rubrique. Moi, dans la première heure, j'ai une rubrique qui s'appelle Trésor d'ici et d'ailleurs. C'est une rubrique où on fait découvrir les différentes sites touristiques, les villes et des chansons aussi gold aux auditeurs. On a le petit déj, on a l'horoscope du jour. Et puis à 6h50, on a le canulaire de Cabouret. Donc ça nous permet de souffler un peu, de prendre un petit café, etc. En attendant, on a attaqué la deuxième heure. Ouais. C'est pas ça, là. Quand tu connais pas tes mots, quand tu tues le bon. Non, mais il y a ça que c'est pas ça. Non, c'est bien que c'est ça. Ah, il y a oublié comment on donne. Comme ça. À partir de 9h, on reçoit un invité dans l'émission. Donc ce matin, on aura Ramatoulaye DJ qui sera là. Donc bon, on va parler de ton actualité, bien évidemment. Mais le concept, quand on reçoit les invités, c'est aussi de les faire entrer un petit peu dans notre univers. Donc on parle un petit peu d'eux,
à petite dose, mais c'est surtout voilà, les découvrir sous un autre angle, donc plus du jeu, de la déconnade et tout. Donc on a le client parfait ce matin. Allez, il est avec nous ce matin, Romain Doulay est dans le Crazy Morning, faites du bruit pour lui. Bonjour Romain Doulay. Bonjour Maman Dia. Comment tu vas? Je vais super bien. Ah ben bienvenue. Je suis fatigué mais ça va. Excellente journée à vous tous. Restez branchés hein, sur Nostalgie. Et puis rendez-vous demain matin à 6h. Yes, I was born very, very happy. Quoi, tu es? T'es nerveux de... Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Et ben voilà, il est 10h, 10h04 exactement. Le Crazy Morning, ben c'est fini pour aujourd'hui. Là, il nous reste juste un petit débrief avec, avec toute l'équipe, histoire de faire le point sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Moi, je file à NCI ben pour préparer NCI Sport de lundi prochain. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup à Showbuzz et puis on vous aime, on vous embrasse. Ciao. Ah, jolie, jolie femme. Ça, c'était Tia sans filtre. Ah oui. Tia sans maquillage. Uh-huh. Ouais. Bah, matin bonheur. Bah, t'imagines, on se réveille tous les matins. Certains se réveillent à 3h30 du matin, d'autres 4h, 4h30. Et on a quel temps de se maquiller? Mais t'es belle, ma chérie. Oh, merci. Ah, naturellement. T'es belle. Là, tu me rappelles moi. Ah. Alors, comment se prépare une émission du Crazy Morning? Ah, ben, une émission se prépare soit la veille pour le lendemain ou dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, on la prépare le week-end pour toute la semaine. On décide ensemble des différents sujets qu'on va aborder. Les différentes rubriques, ben, elles sont traitées ensemble. Et puis ensuite, bon, ben, voilà, on déroule. Maintenant, on est habitué. Donc ça va tout ça dans la bonne humeur. Parlons du meilleur des cas. Quand tu dis que vous préparez parfois les week-ends, ça veut dire que vous voyez les week-ends? Non. Ben, aujourd'hui, avec la technologie, on travaille, on a des groupes WhatsApp, on a des groupes de travail. Okay. Donc on échange vraiment dessus et puis on prépare ben, toutes les émissions de la semaine. Un peu comme Showbuzz, quoi. Souvent, on prépare à minuit. Nous, on prépare l'émission en boîte de nuit. Vous, oui, Lambert, LB, oui. Ariel, Soupi, Tia, il veut savoir entre vous, là, parmi vous, là, qui est le plus ennuyé, même si c'est Zagui. Ah, d'accord. Mais il veut savoir. La question pour Zagui. Les quatre. Un, deux, trois. C'est pas moi. C'est lui. on t'a dit. C'est moi. Non, c'est pas moi. C'est lui. Non, il est ennuyé. Hein. C'est qui le plus ennuyé? Toi, Lobo? Mais c'est qui? C'est Lobo. C'est Lobo. Je suis le plus sérieux. Qui est le plus grand danseur? Voilà. Oh, il y a match. Hein. Un, deux, trois. Non, Moi, vous savez que je ne vaux rien en danse. Mais j'ai trouvé plus vaurien que moi, les trois là. Ah, Ariel, toi tu danses pas? Moi, je danse tout. Ariel, danser des I. Danse tout. Qui est le plus grand chanteur? Qui, hein? La question ne se pose même pas. Mais moi, c'est que LB. Moi, c'est que LB n'a pas encore dit son dernier mot dans cette histoire de chanson. Je suis convaincu. Après Tia, c'est Ariel. Oui. Parce que semble-t-il qu'elle chante à l'église. Mais elle, là-bas. Non, on va pas compter sur lui. Ne cherchez pas. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Plus grand, la quelle quoi dit, mais on est pareil. D'accord. Mais on est pareil. Oui. Donc, chantons. Chante un peu. On va voir qui a fait ça. Elle chante un peu, moi. À Capella. Ton dernier single. Chante un morceau de Tia. Ah. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Bébé, j'ai besoin de ton corps, tu sais. Pourquoi j'insiste dessus? Mais attrape-t-il à lui. Viens prendre le corps. Bon, attendez. Choupi, chante la même chanson. Non, sérieux, faut pas. Fais, essaie. Faut pas des choses. Il connaît. Essaie. Non. Viens, il est à côté. Ne faites pas des choses. Ça va venir à lui. C'est pas bon. On a caché la même chose là. Allez, chante la même chanson là. J'ai besoin de ton corps, tu sais. C'est dedans. Bon, ok, maintenant, Wilfried, il ne peut pas chanter, toi tu vas rester à l'écart. Fais un peu. On va faire un habit. Pour un homme là. Fais un peu. Oh, j'ai besoin de ton corps, tu sais. Alors, parlez-moi de vos rapports avec vos auditeurs. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils cherchent à rentrer en contact avec vous pour coller un visage? Dis-moi, sois salué. Sous Gervais, sois salué. Dites-moi.
Bah écoute, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. On a des auditeurs qui sont là, qui nous suivent depuis le début, qui appellent dès 6 heures du matin. Donc on a les auditeurs récurrents. Très fidèles, hein. Voilà, très fidèles. Et puis, tu as ceux qui font partie de la majorité silencieuse, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui se signalent, que ce soit sur la page Facebook de Nostalgie, ou ceux qui ont le courage même de venir à la radio. Et ils viennent à la radio. Ah ouais. Pour vous voir les matins. Ouais. Et moi, je voudrais faire un gros coucou à Niamke, ouais. Hein, qui est là. C'est un auditeur qui, depuis le début de la saison, tous les matins, il nous amène un gros petit déjeuner. Il y en a qui vous apportent des croissants, mais des fleurs, tout ça. C'est voilà. Lui qu'on parle, c'est pas Yana, c'est lui. Ce matin, il nous a apporté du gaba. Gaba. Croissant combien? Galette. Beaucoup. Ah ouais? Wow. Galette, bouillie, regarde, tout. Tiens, il faut le coucou n'est pas entendu. Il faut le mettre en contact avec Rosso. Je pense qu'on va essayer un partenariat. Le coucou, ça fait un petit déjeuner. Non, mais... Ce qu'on veut dire, c'est que la radio, d'accord, ça permet de créer un lien extraordinaire avec les auditeurs. D'accord. Alors, ce qui va se passer, on va faire un truc. Eustache, je veux qu'on quitte en direct. Enlève-nous en direct parce que c'est entre nous, sinon, ça, c'est pas bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Enlève-nous en direct, c'est bon? On coupe la caméra. Coupe la caméra, c'est bon? C'est bon? Ok, d'accord. La pub. On est en direct. Showbiz revient dans un instant. On reviendra sur le show d'Alain Giz le samedi dernier au Palais de la Culture. A tout de suite. Voilà, nous abordons le dernier virage de cette émission Showbuzz. Nous sommes avec les déjantés, l'équipe de déjantés, j'aime bien cette expression. Tia, Ariel, Lobo le Prince, Willy Shopee, pour le Crazy Morning. Alors, il est temps maintenant de laisser la place à notre cher Premier ministre pour nous donner des informations sur le showbiz. Ok, là, oui. Show News. Moi, je t'appelle. Moi, je t'ai déjà lancé. Alors, la première news, c'est un festival. C'est le festival de l'Alliance. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a les alliances entre les différentes ethnies, qu'on appelle parfois Toukbé, si vous voulez. Alors, le festival de l'Alliance, c'est entre Baolé, Bron, Agni et Koulango. Ça va chauffer. C'est donc le 19 novembre prochain au Palais de la Culture. Alors, j'invite tous les Baoulé, Agni, Koulango, Bron à y aller. On va peut-être revenir encore sur cette information pour donner plus de détails, notamment la liste des artistes. Alors, la deuxième news, c'est que ce week-end, on était au Palais de la Culture pour le concert de Alain Giz. Et la Gbérékam nous a ramené des images avec Madame la sénatrice Mimi Blonde et puis notre Gbérékadreur Ivan. Regardons. Salut, vous m'avez reconnu. C'est Mimi Blonde. Je suis la sénatrice de la Papouasie. Et je suis là pour le concert de Alain Giz. J'ai dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ivan, suis-moi. Alain Giz, déjà, c'est mon petit frère. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des grandes voix de la musique ivoirienne. Donc on ne pouvait ne pas être là. Je lui souhaite l'amour, la paix pour la culture et que maintenant il est en face de son public. Il va valoriser notre culture, que la paix de Dieu soit avec lui. Alain, c'est un artiste qui est venu illuminer le plateau de Showbuzz sur NCI. Et je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous en tant que Premier ministre. Il fallait que je vienne représenter notre magnifique pays, la Papouasie. Ce que je retiens vraiment de ce garçon, c'est ses mélodies. C'est un mélodiste, c'est un grand chanteur, c'est un grand artiste. Et je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui pour le soutenir. Tu es venu le suivre parce que tu es fan de lui ou même parce que tu aimes sa musique? D'abord, c'est parce que j'aime sa musique. Parce que depuis toute petite, on a grandi avec ses chansons, tout et tout. Et maintenant, on dit à son concert, là, il y a ceux qui pour ne pas venir assister. Raison pour laquelle je suis là. Hey, les Didas sont représentés. Les Didas, wow! Je suis Ludi Sakolo. Alain Giz, c'est mon grand frère dans la musique. Ben voilà, vous suivrez l'intégrité, n'est-ce pas, sur l'intégrité. On va y arriver.
va y arriver. On va y arriver. L'intégralité. Mais je sais que mes papas vont me comprendre. Suivre l'intégralité. Ben voilà. Alors, on va y aller ou c'est terminé pour les informations? Alors, tiens, on va rappeler la date, n'est-ce pas, du Crazy Morning. Les heures. Mais on va y arriver. Avec beaucoup d'intégrité, nous allons prendre rendez-vous. L'intégralité. Bon, est-ce qu'il arrive pour que quand tu as senti chez Eustache dans le dos, bon, voilà. L'intégralité, on y va, tiens. Bon, le Crazy Morning, c'est du lundi au vendredi de 6h à 10h sur Nostalgie. 101.1 si vous êtes à Abidjan et puis les différentes fréquences à l'intérieur du pays. Sans oublier sur le site internet www.nostalgie.ci. D'accord. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Bah, écoutez, ce fut un plaisir d'être là et puis voilà. L'émission est déjà finie. Là-bas. Ouais, bon, merci pour votre intégrité. Hein. C'est bon de donner mon dos. Alors, on va recevoir une très belle dame, elle a une très belle voix. Elle s'appelle Chokna, c'est elle qui va refermer l'émission. Ah. C'est une chante. Et on donne rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne. Vous connaissez déjà le site. C'est, voilà, on est ensemble. Peace. Intégrité. Je suis David contre Goliath et stratégie pour gagner le son et mille.